Salut tout le monde, salut! Eh, eh ben écoutez, je suis super content de vous voir aujourd'hui. J'ai deux, trois trucs à parler avant de commencer à jouer. Déjà en premier lieu, eh ben, vous avez pu peut-être le constater. Je suis à présent affilié Twitch. Et ouais, donc bah écoutez maintenant. Vous pouvez sub à la chaîne, vous pouvez utiliser les 5 émotes que j'ai uploadés. Je vais essayer de faire des trucs dans l'avenir avec les points de chaîne. Pour l'instant, j'ai des trucs assez basiques. Mais notamment avec Iron Man, je pense que je ferai des trucs assez cool. Donc je suis super, super, super content. Merci Blue Foxy, salut Quadel, salut Sky. Merci d'être venu et puis merci d'être venu pour mon premier stream affilié surtout. Je suis vraiment vraiment super content. J'avais juste fait un stream test aujourd'hui, enfin cette nuit. Et du coup en fait ça a compté dans les objectifs. Du coup bah... Alors 2 secondes, j'ai juste 2, 3 choses. Voilà, là je vous regarde droit devant. J'adore les trucs moi aussi, Codel. Je voulais vous parler de deux petites choses qui ont changé sur le stream. Dans un premier lieu, c'est les sous-titres. Alors les sous-titres, maintenant, ils sont directement intégrés au lecteur de Twitch. Ils sont directement intégrés au lecteur de Twitch. Du coup, ils devraient être, bah, ils devraient fonctionner comme avant. Ce que ça va changer pour moi. C'est que ça va être beaucoup plus facile de les upload sur les VOD sur YouTube. Et je trouve que c'est quand même plus proche. Codel, super! Merci, t'es mon tout premier abonné. Et bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris un abonnement de niveau 1. Et bah oui, vous pouvez faire la même chose que Codel dès aujourd'hui et avoir accès à mes émotes. Si ça, c'est pas super, vous pouvez même utiliser votre Twitch Prime. Vous savez, je sais pas si vous savez, mais il y a 80% des gens. Déjà, pas tout le monde sait qu'ils ont Twitch Prime. Si vous avez Amazon Prime, vous avez Twitch Prime. Mais il y a 80% des gens qui ont Twitch Prime. C'est un chiffre sourcé. La source, c'est il m'a été révélé dans un rêve. Voilà. 80% des gens qui ont leur Twitch Prime ne savent pas qu'ils l'ont encore et qu'ils n'ont pas utilisé. Donc n'hésitez pas à regarder si vous l'avez et à l'utiliser sur votre créateur ou créatrice favori. Moi. Donc ça, et un dernier truc avant de passer au jeu. Je fais un petit changement dans la façon dont je dis bienvenue aux gens. Si ils suivent le stream, mais qu'ils n'ont pas parlé dans le chat, je vais pas les appeler par leur nom. Je fais ça par considération, par rapport à des retours qui m'ont été faits de personnes qui ont de l'anxiété sociale ou qui veulent juste pas se sentir obligées de participer. Donc voilà, si vous, c'est marqué en bas du lecteur, dans la section avec les petites colonnes de présentation. Donc voilà. Généralement, si vous voulez me parler et que vous suivez, je vous dirai bonjour, vu que vous avez déjà parlé. Mais si vous suivez, que vous n'avez pas parlé et que vous voulez que je vous dise bonjour et que je vous remercie, n'hésitez pas à dire coucou dans le chat ou quoi que ce soit. Ça implique aucune responsabilité, vous n'avez pas à continuer à chatter après. Voilà. C'est une petite mesure que j'ai prise pour accommoder les gens qui peuvent avoir des soucis d'anxiété sociale. Je sais que j'en ai. Donc c'est en considération à ça que je le fais. Voilà. Et ben écoutez, on va commencer du coup ce premier stream en tant qu'affilié Twitch avec le premier sub. Merci encore beaucoup, beaucoup, Codel. Codel, le VIP, hein, pas pour rien. Et puis oui, on va basculer dans le jeu. Donc est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez le jeu et tout là? Normalement, ça devrait être bon. Blue Foxy, merci pour le follow. Alors, attends 2 secondes parce que mon truc se met pas à jour sur mon téléphone. Alors, attendez 2 secondes.
Bon, j'espère que mon fil d'actualité s'actualisera. Donc voilà, j'ai fait des réglages, j'ai mis le chat en endroit où ça devrait pas bloquer l'interface du jeu. Donc, bah écoutez, on va commencer l'acte 1, j'ai fini le prélude au stream précédent. Ah non, non, j'ai fini l'acte 1, autant pour moi. Autant pour moi. Eh bah écoutez, on va commencer plutôt. Attendez, qu'est-ce que j'ai pas fini? Ah, ok. Ok, le... comment... le troisième cercle, le troisième cercle. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Non, en fait, j'ai... Ok, sur l'appli Twitch, les listes de follow sont en fait dans l'ordre inverse. Les nouveaux sont vers le bas. C'est d'où ma confusion. Du coup, voilà. Alors, hésite pas à me faire des retours sur sur quoi que ce soit, mais surtout sur le son. Voilà. Si le son est trop fort, si ça. Knuckle Blaster. Ouais, il faut. Faut que je me refamiliarise avec les contrôles. Ok. Ok, donc j'ai ça. Comment je change de bras déjà? Comme ça. D'accord. Ok. Pas beaucoup d'ennemis pour là. J'ai parlé trop vite. C'est un peu loin pour le shot. Ah ok. Oula, 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 oula. C'est vrai que j'ai un dash. Oui, bon, bah je vais mourir comme ça. Hein. Allez, on recommence. J'ai besoin de me refamiliariser un petit peu. Oh là là, 9 spectateurs, bienvenue à tous. J'espère que vous allez apprécier le stream. C'est mon premier stream en tant qu'affilié. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime si vous l'avez et que le stream vous plaît. C'est vrai que je peux renvoyer les projectiles, que j'ai un dash. Ah! Je m'entraîne juste à reprendre le timing. Ah oui, on peut pas parier avec ce point, on peut pas parier avec ce point. C'est vrai, c'est vrai. Sky va me crier dessus. Voilà, Sky connaît très bien le jeu. Du coup, c'est pas impossible que des fois je lui demande des conseils. Voilà. Bah, mieux que moi, parce que bah, t'y as joué, et moi c'est ma première partie. D'ailleurs, on m'a fait la remarque au précédent stream, j'ai mis partie tranquille, alors c'est pas un jeu très tranquille, mais par là, en fait, c'est le nom français du tag casual, et en effet, je fais une partie plus ou moins casual du jeu, parce que bah, je découvre, et je joue pas nécessairement la difficulté la plus haute, j'essaie pas les speedruns. N'hésitez pas à faire des retours si les sous-titres fonctionnent pour vous, si vous les utilisez. Aussi. Ça va, mec? Attends. Ça va, mec? Il a pas l'air d'aller très bien, hein. Voilà. Oh, ça c'est joli ça. Ça c'est joli. Donc. Oula, oula, oh oui, c'est vrai que. Alors c'était quoi ma technique pour voir? Ah, c'était le shotgun.
Oui, je crois que c'était ma technique pour tout en fait. Dans ce genre de jeu, ma strat c'est shotgun. Ouh, j'ai... Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Ah, j'aime beaucoup l'aspect de ce niveau, on se paraît. On se paraît dans... la route arc-en-ciel sur Mario Kart Double Dash, vous savez, avec la ville en arrière-plan. Hein. Oh, y'a un de ces mecs là. Un Cerbère, c'est comme ça. Oh, c'est vrai qu'il fonce dessus. Hop, voilà. Hop, je vais essayer l'attaque avec le front là. Bah ouais, ouais, mais j'ai pas joué au jeu depuis le dernier stream en fait. Comment ça? Ah oui, ça. D'accord. Boing. Ah, c'est cool, j'ai pas perdu. Ah, ça va être cool ces niveaux-là, j'ai l'impression. La musique toujours excellente, comme d'habitude. Oh, c'est plus puissant, d'accord. T'inquiète pas, je sais que tu me taquines. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit l'autre fois. D'accord. Et on peut faire ça aussi. Voilà. C'est un peu overkill, mais c'est pas grave. Plus aérien. Mmh. Ouais, genre il y a peut-être plus de verticalité quoi. J'ai aussi moins de FPS. Oh lui. Oh, il est tombé. Ah zut. Perdu le ground pound. Où je vais. Ah, c'est un dessin. Voilà. Oh, il fait sauter lui quand. Ouh, j'aime pas ces chutes de FPS là. Vous le voyez pas parce que je stream en 30 FPS. Ouais. Let's go, fin du niveau. Eh, désolé, j'ai le tab pendant 2 secondes, je vérifie quelque chose. Ok. Ouh, il y a plusieurs autres armes. Hmm. On peut changer, on peut vraiment équiper tout à volonté, c'est assez cool quand même. Et j'ai pas de nouveaux ennemis. Ah, j'avais pas lu là.
Les massideuses sont une occurrence rare. Quand une quantité excessive de masse de l'enfer est versée dans une seule carapace, ça la fait déborder et genre exploser un petit peu à l'intérieur. Ouais, ok. En gros, les zones vulnérables. Les zones vulnérables leur permettent de bouger sans plier les rues extérieures. Donc, ouais. Mais c'est le boss que j'ai... C'est le boss que j'ai combattu la dernière fois. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus spacieux. Hein. Ça me fait penser un peu à Doom 2. Doom 2 et Dusk. Là. Oula. Non, non, après, c'est pas des gros soucis de framerate, mais là, tu peux, je crois que vous pouvez voir le compteur de frame, de frame en haut à gauche, en haut à droite de mon écran. Là, je suis à, genre, entre 170 et 200. Et tout à l'heure, dans le niveau précédent, je descendais à, genre, 48, quoi. Bon, c'est des nouveaux ennemis, ça. Ah, je peux pas, oui. Bah oui. Je me demande si on peut, genre, tirer sur une pièce et un ennemi en même temps. Faudrait que j'essaye ça. Le compteur est pas capturé pour vous. Bah, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Ah, bah, c'est gentil. Après, est-ce qu'on joue à la même difficulté ou pas? T'as joué en standard, le jeu, ou... Et on s'il y a moyen de provoquer les cerbères qui dorment... J'aime bien. Oh, c'est trop bien de faire pomper son poing. Très classe, très classe. D'accord, ok. Je me demande ce que ça fait de casser ça. Bah, ça fait spawner des ennemis en fait. Hein. Ah, bah, il est réveillé, ça va. Oh non! Voilà. Faut que je récupère de la vie là. Je fais même plus attention à quelle attaque il fait le cerbère. Oui, bah écoute, faut faire ça de. Faut faire ça au statut. Hein. Enfin, franchement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Par contre, le layout de ce level, faut que je trouve tous les générateurs. C'est pas une fenêtre cassée, ça fait l'impression. Ouh. Ah bah oui, mort à 20 000 volts. Ok, je vois ce qu'il faut faire. Encore, hein, qui sait quoi. Aïe. Je fais de la production. Je pensais l'avoir tué, en fait. Ah,
J'aime bien les voir souffrir. Je suis désolé, j'adore trop les bruits. Voilà. Désolé. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore eu de checkpoint, en effet. Celui-là, j'ai déjà cassé. Non, il y a une porte verrouillée, là. Est-ce que, ou d'autres, j'avais trouvé un générateur. Ici. C'est ça, mais que te forcer à rester sur un trampoline. Écoute, je pouvais pas savoir. Hein. J'ai cassé le générateur là-bas. Il y avait un générateur genre à l'intérieur d'une maison tout à l'heure. Je retrouve ça. Chose qu'on peut faire avec cette fenêtre, hein. Ça a l'air d'y avoir rien de l'autre côté. Quoi. Je suis assez investi dans les secrets du jeu. Je cherche pas forcément à tout trouver, mais je jette des yeux, quoi. Oh, voilà. Oui, je vais y mettre un crâne si je viens pour. Alors, là c'est où? C'est quoi? Ouais, viande ici. Est-ce que je rentre quelque part, moi? Ah, ici. Aïe. Bien les statues qui saignent. Tout saigne dans le jeu, c'est bien. Voilà. La musique se calme un peu, j'ai l'impression. Ouais, il y a ça qui s'est ouvert. Ou peut-être, je sais pas, pour l'instant je vais progresser normalement dans le jeu et trouver ce que je vais trouver. Let's go, le petit checkpoint. Ouais. Oula, il y a beaucoup de speedrunners là. Aïe. Heureusement qu'il y avait un checkpoint juste là. Oulala, je suis pas concentré. Hop. Je vais tuer les street killers en premier. Ah, mais les drones, ils t'évitent. C'est bien. Ça marche bien pour les drones. Hello! Merci pour les 5 abonnements! Muito obrigado!
ça me fait super plaisir. Merci, merci, merci. C'est vraiment super, et puis ça va aider le stream aussi, hein. Ah, super, merci pour le Prime. Alors, ça, je crois que c'est un secret. Et genre, je me suis complètement en autopilote, là. Super, merci beaucoup, Nounours. Ça me... Oh, génial, génial, merci. Oh, je suis pas concentré, je vais mourir. Ok. La vie m'a accordé une seconde chance, comme dirait Samina Seri. Genre, cette phrase m'est sortie, mais venue dans la tête, et j'ai pensé à Samina Seri direct après. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, je sais ce que c'est maintenant. Ok, ça recharge quand c'est pas équipé. Je verrai s'il y a une version verte de Stormlord, du coup, hein. Ah, Luck, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le sub. Ça fait super plaisir. Eh, vous savez quoi? Encore, laissez-moi regarder. Laissez-moi regarder. Encore 8 abonnés et j'aurai un slot démo supplémentaire déjà. C'est génial, merci, merci beaucoup à tous. 15 secondes à se conserver, donc là il devrait être bon. Ok. C'est moi ou je suis de retour là où j'étais au début? Ah non, je dois être à un autre endroit. Il y a peut-être des générateurs à trouver. Non, juste les ennemis qui spawnent normalement. C'est vrai que je peux slide aussi. Ce qui est rigolo avec les Malevolent Faces, c'est qu'ils ont des pattes d'araignée très très subtiles. Aïe aïe aïe, il m'a tué. Ouais ouais, c'est cool. Activez la... C'est bon la 2FA, mangez-en. C'est ce que je voulais dire. J'aime bien ce gun là aussi. C'est assez stylé le fait de jeter des pièces en fait. Malevolent Face. Ça a sûrement dit ça dans les sous-titres, quoique je sais pas si il a chopé le Malevolent. Je suis en train de voir le truc de sous-titres qui utilise l'API de Google pour la détection de voix. Comme l'ancien truc de sous-titres d'ailleurs. Et ils permettent de sélectionner qu'une seule langue, alors que on peut sélectionner des langues alternatives avec Google, enfin avec ce service de Google, juste que ça baisse la précision. Je fais pas attention à ce que je fais, hein. Je discute. Ça baisse peut-être un peu la précision, mais faudra que je regarde. Enfin, soit pour... Non, c'est pas la bonne arme. Soit pour modifier le truc parce que c'est open source, soit voir avec le dev s'il voudrait bien ajouter ça. Ah, le revolver lourd, il fait beaucoup de dégâts aussi, hein. Oh, il y a un générateur ici. Oh, le dodge, là. Zut. Oh, ils étaient encore... Il y a peut-être moyen de fork le plugin, ouais, faut voir. C'est du C++ les plugins OBS, je sais pas comment ça marche. Genre, est-ce que c'est compilé. Compilé quand tu lances OBS ou un truc comme ça, j'ai aucune idée. Mais faudra que je vois
à la limite, même si je fais pas un truc propre pour permettre de sélectionner dans l'interface une langue alternative. Je vais juste faire une modification juste pour moi qui active cette feature là quoi. Ah, j'ai encore mort. Oui, je suis toujours sur le même acte. J'ai passé le premier niveau, cela dit. Hein. Donc du coup, peut-être... Un acte, c'est un niveau ? Non. Un acte, c'est genre le monde. Genre là, c'est l'acte 1 de chapitre 2. Oh, je sais plus. Ouais, faudrait que je regarde... Déjà, en fait, le truc, c'est qu'on stream du Iron Man en français. Je suis en train déjà de voir si je peux pas ajouter le support des ROM Pokémon françaises. Hein. Ce qui serait pas mal. Au lieu de devoir traduire tous les noms de Pokémon. Voilà, et j'ai compté sa grosse attaque en plus. C'est du dynamic linking, d'accord. D'accord. J'ai pas compris foncièrement ce que ça fait de jeter plusieurs pièces. Genre, elles rebondissent sur qu'un seul ennemi. Alors, est-ce qu'elles font plus de dégâts ? Un acte dans Ultra Kill, c'est 3 cercles, un cercle fait 4 niveaux, à l'exception de... Ok. Donc là, je suis au même acte, mais pas au même niveau que tout à l'heure, Blue. Ah, genre... Ok, ça fait pas spawn d'ennemis cette fois. Et il reste un générateur. Les dégâts du ricochet se cumulent. D'accord, mais ça hit que le même que un seul ennemi quand même. Oula. Oui. J'ai eu peur que ça fasse quelque chose. Ben non, ça c'est un secret. Ouais. Ouais, c'est que du TOTP. Ce qui me dérange pas. J'aimerais bien que genre des sites comme Steam utilisent du TOTP normal, leur truc un peu claqué. Oula. Voilà. Oh, j'en ai tué deux en même temps. Qui c'est ? Je sais pas qui c'est. Je vais l'appeler Jean-Marc, provisoirement. Avant c'était SMS, ouais. C'est chiant les SMS, je veux plus du tout avoir à gérer ça si je peux. Je veux plus jamais m'authentifier en ligne avec un SMS. Un livre ? Je peux pas le lire. Ah si ! Et bien la frappe Minos. Sa chair déchirée avec les torrents de karma qui tombaient à ses pieds, donc le sang. Hein. On a tous pleuré pour de la cruauté. Justice. Gabriel est décrété à tous. Avec notre juste commandant en agonie. La volonté de Dieu sera faite. Nous regardions en horreur alors que Minos et gisait cassé, mourant, criant en défiance de la volonté de Dieu, Gabriel. Human text irrelevant. Ah. Ok, c'est avec cela. Non. Ah ok. C'est un pari en fait, c'est un pari, donc je peux pas faire ça avec le point rouge, d'accord. Jean-Marc Ultra Kill, exactement. Oh, il y a un gros mec là-bas. J'espère qu'on va se battre contre lui un moment.
Généralement, ce genre de jeu, c'est si tu vois un truc chelou dans le fond, ça va forcément venir en jeu au bout d'un moment, genre lui. Genre, des serveurs, il y en avait pas mal au début du jeu, dans les premiers niveaux, qui faisaient rien. Et finalement, bah... Ils étaient... Ah, voilà le dernier générateur. Il était juste là, en fait, juste à côté de la porte, d'accord. Yes, fin du niveau. Ouais, ouais, ouais. C'était assez bizarre. En dessous de 60 secondes. Ok. Tac. Digital audio. Machin. Non. C'est quoi les nouveaux mecs? Alors, la liste des mecs. J'appelle tous des mecs en ce moment. Soldats. Les soldats sont des versions augmentées des Strays. Qui ont des implants technologiques qui ont été récupérés de machines cassées pour canaliser l'énergie de l'enfer avec plus d'efficacité. Cette augmentation de pouvoir donne aux soldiers plus de confiance en eux, les causant à agir plus agressivement que des Strays. Malgré leurs améliorations, leur intelligence reste basse. Et on n'a toujours pas déterminé qui ou quoi les a améliorés. C'est pour ça qu'il meurt en un coup, en fait. Enfin, non. Ok, bon après-del. Super heart attack. Super crise cardiaque. Voilà. D'un coup. Super musique, comme d'hab. Oh, j'aime vraiment beaucoup la musique. Ok, donc là il faudra mettre un crâne pour ouvrir. Nice. J'ai faim moi aussi. J'aurais dû manger un truc avant de commencer. Bon, je ferai une pause d'ici 45 minutes et je me mange un petit truc. Je me ferai un full repas une fois que j'aurai fini le stream. Alors, là il faut un truc rouge. Oh, je peux glisser ici. C'est très bien. Il y a un générateur. Water control 3 of 3. Oh. Je vais essayer de trouver ces trois trucs là. Je crois pas qu'il va y en avoir sous l'eau. Ouh, il est que 19h, ça va, mais je me suis levé plus tôt que prévu ce matin. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais je suis reposé comme si j'avais dormi suffisamment. Donc, voilà. Hein. Oui, bien sûr, Sky, merci. Ok, donc là, il y a un checkpoint. Je reviendrai en arrière si jamais. De toute façon, il faudra que je revienne en arrière, je pense, parce qu'il y a des crânes. Ah, bah c'est fermé. Ah, ok. Allez, redonne-moi de la vie. Ok, ok, on sort de quoi. Ça me fait mal tout seul. Encore une fois, d'ailleurs. Non, j'ai récupéré de la vie parce que il y a du sang. Il y a un grinder ici. Il y a quand même quelque chose en bas tout de même. Non. J'ai cru voir une fissure. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe.
c'est par là que ça s'est ouvert, c'est là que j'ai un checkpoint. Et là j'ai un crâne bleu. Je vais retourner en arrière. Oh, il y a un secret ici. Super. Ah mais attends, je peux pas y accéder? Ah si, ok. Oui, c'est de là que je viens, c'est bien de là que je viens. Yes, en effet. Il faudra qu'il fasse attention. Ah, mais ça mène juste là, en fait. D'accord. Ah, et ça ouvre cette porte, non? Non. Ok. D'accord, d'accord. J'adore faire tomber mon poing. Comment ça se fait que c'est de retour là? Allez, su, merci pour le raid! Bienvenue sur le stream. Ouais, je suis un peu confus avec le layout du niveau à nouveau. Parce que ça, en fait, ouais, c'est la même salle quoi. Ah mais attends, j'ai pas été... Si, il était là. Ça doit forcément ouvrir quelque chose. Où est-ce que j'ai trouvé ça déjà? Ici, je crois, non? Ben je suis en enfer. Voilà, c'est les cercles de l'enfer. L'enfer, c'est très très grand, apparemment. Oui, je crois que t'as loupé l'intro du jeu la dernière fois. Non, ce n'est pas l'ISS, effectivement. Petit secret ici. Un autre truc de water control. Si je pourrais trouver le troisième, ce serait cool. Je pouvais, pardon. Merci, même pas les règles. Il doit forcément être quelque part parce que celui que j'ai eu tout à l'heure c'était le 3 sur 3. Et là c'était le 1 sur 3. Enfin, ouais. Où ça mène? Mène ici hein. Là, là c'est là où je viens. Oula oula oula, il y a des ennemis là-dedans. Ah d'accord. D'accord, d'accord. Ah, le son est bizarre sous l'eau. C'est un peu perturbant. Je vais m'y habituer, mais... Oui, c'est ça, c'est ça. Les robots du jeu carburent aussi. Oh, c'est charmant de se baigner dans les... petit bout de chair là. Là je suis allé tout à l'heure. Ouais. Là c'est toujours fermé.
Je peux pas passer là. Ça me paraît bizarre. Salut Stéréo! Qui est juste à côté de moi. Ok. Ouais, bon, c'est pas trop grave après. Et même quand je peux juste changer instantanément. Il y a que la physique sous l'eau qui change genre un petit peu. Stéréo m'a apporté un snack. Excusez-moi. Bon, je suis un peu paumé dans le niveau pour l'instant. J'aurais espéré que le troisième soit par là. C'est bizarre que je puisse pas aller là quand même. Désolé d'être un peu paumé pour le coup. Il va pas y avoir de générateur là-dessous, ça c'est sûr. Oh, c'est nouveau ça. Ah. C'est vrai, faut donner le skin vieille. Ah mais c'est pas ce que je veux shooter. Va bien. Allez. Allez, viens. Voilà. Il a pas eu le temps de tirer. Ah. Ok. Deux secondes. Ok. Alors. Ouais, j'ai mis mon respawn. Ah oui, d'accord, il y a des mini grinders là. Je peux pas les pousser. Genre quoi? Non, ça le fait pas bon. Oui, je fais pas du tout attention à ça. Voilà. Ah, c'est, je crois que le revolver lourd, il genre il transperce les ennemis, ce qui est assez cool. Nice. Ouais, je suis tombé dans le Meat Grinder tout à l'heure. C'est trop bien la technologie, hein. Il tape plus fort, ok. J'ai cru avoir l'impression d'avoir tué plusieurs ennemis en même temps avec, en fait.
J'ai même pas regardé qui a reçu un abonnement de la part de Shello. Tout à l'heure. Alors, il y a Zuck, il y a Eastom, il y a Kuro, Stereo et Sky qui ont reçu un abonnement. Super. Technologie. Ça fait peur. Ça fait peur, la technologie. D'accord, ok. Ça a du sens. Est-ce que c'est là d'où je viens? Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce dont tu parlais hier sur Masto, j'imagine, Lux. Ah. Je vais essayer de trouver le générateur ici. Ah! Mais... Là, mon snack. Désolé. Est-ce que le chat est bien positionné là? Genre, il n'y a rien qui le gêne ou quoi que ce soit? J'avais au moins ce checkpoint là. Le troisième générateur, je pense qu'il doit forcément être par là. Peut-être même ici. Yes. L'eau a été drainée. Où est-ce que j'ai pris le crâne là? Où est-ce que j'ai pris le crâne? Par là. Non. D'ailleurs, je suis même pas allé là encore. Juste en... Ouais, bah j'ai fait en sorte que ce soit le cas en fait. C'est que c'est bien, s'il y a rien qui va venir le gêner sur... Ouais, c'est là que j'ai fait le crâne. Là, c'est la zone du début. Et là, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Alors, je suis pas convaincu que ça serve à grand chose par là. Ah oui, les petits gibelets là qui... Oui, oui, tu gagnes des émotes, c'est bien, c'est cool. Ça incite les gens à le faire. Oh, des nouveaux ennemis. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça a pas l'air gentil. Oi, oi, hé. L'air d'être un mec. Oh, c'est pépé. Oula. Aïe, ok. C'est un ennemi secret ou... Est-ce que l'eau est toujours drainée? Oui, 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 je voulais aller la vérifier d'ailleurs. Mais bah là, il me laisse pas. Parce qu'il faut probablement que je... Ok, donc c'est pas un boss. Téléporte très vite. Voilà. Aïe. Aïe. Oh là là, j'ai plus beaucoup de PV. Hein. Alors. Ah, encore un niveau secret. Nice.
4 secrets sur 5, encore une fois. Ne pas toucher de l'eau. Ok. C'est l'inverse de touch grass, en fait. Ne touche pas de l'eau. Pas lourd. Respiration irrégulière. Il n'y a plus beaucoup de temps. Il est peut-être déjà trop tard. Les chemins labyrinthiques de virages abrupts avaient l'air de plus en plus étranges, alors que la panique a évacué les mémoires anciennement profondément enfouies qui me guidaient. Chaque coin était de plus en plus étrange. Chaque ligne droite trop longue. La cloche sonne pour moi. J'ai trop mangé la dernière de mes rations. Seulement par le... Il y a de la peau sur les dents. Ça veut rien dire, ça, on est d'accord. C'est un truc qu'ils disent en anglais, ça, skin of my teeth. Donc skin of... Oui, donc on disait, Codel, skin of my teeth, ça se dit. Alors, faudrait que je regarde ce que ça veut dire, parce que, de ce que je sais, les dents n'ont pas de peau. Les gencives. Oui, mais c'est pas... C'est gums. Et en parlant de ça, tu pourrais me donner un chewing-gum, s'il te plaît. Oui, ça veut dire à pas grand-chose, oui. Je m'accrochais alors que je regardais frénétiquement autour de moi, espérant que les derniers morceaux de mémoire qu'il me reste me mèneraient à la salvation. Les portes devraient être en train de se fermer. Les derniers en train de réussir à passer. Tout le reste n'ont jamais eu aucune chance. Soudainement, d'un angle mort, une figure me frappe. Je n'ai pas eu le temps de réagir avant de tomber sur le sol. J'ai eu du mal à revenir en moi-même pour enfin voir qu'est-ce que le sort m'a réservé pour mes derniers moments. Mais même dans cet abysse de terreur infinie, mon esprit n'aurait jamais pu imaginer l'horreur que j'ai vu. Ben, oh non. Oui, oh, ça pique. Ça va? Ben, je viens juste de me faire renverser par un connard qui m'a mis de la terre sur ma jupette. Donc génial, hein, putain. Je préférerais ne pas être sur le sol maintenant. Relève-toi. Visual Novel Time, hein. Et bien, je suis content de pas avoir arrêté à cause du raid. Désolé, j'ai le tab. Ah, désolé d'avoir été si mal poli, je suis juste très frustré parce que je suis en retard pour l'école, mais en plus je me suis perdu. Mais ça a l'air d'être la même chose pour toi. Donc une probabilité d'une fois par un... T'as eu la chance de te cogner contre la plus belle de la ville. C'est son nom maintenant. Ok, donc si tu menais et que tu nous sortais de cette galère. Il n'y a plus le chat, effectivement. Je vais remettre le chat. Le chat. Et normalement, il y a vos messages qui sont là. Ok, super. En fait, je suis perdu aussi. Ah, je suis bien chanceuse. Enfin, j'imagine que tu ne serais pas avec moi ici si tu n'étais pas perdu. Oh.
Pas à peine de pleurer là-dessus. Je sais pas trop comment traduire ça, mais c'est une blague sur le sang, quoi. On pourrait juste attendre qu'un autre étudiant arrive et les suivre. Je m'appelle Mirage. Prends pas la peine de venir ton nom, je m'en fous. Bonjour, Codel. Attendre ici ne nous mènera à rien. On devrait trouver un chemin vers l'école. On serait encore plus perdu si on cherchait comme des poulets sans tête. Vu qu'on est tous les deux à l'école et qu'on a fini par se rencontrer ici, ça veut probablement dire que cet endroit est sur le chemin. Donc, on ferait mieux de rester ici et attendre quelqu'un qui connaît le chemin. C'est de la logique basique, hein, tu devrais chercher ça de temps en temps. C'est vrai qu'ils ont des têtes de rétroprojecteur. Mais c'est moi V1 d'habitude, là c'est... Logique de base ou non, on est déjà en retard et j'ai pas prévu d'attendre ici jusqu'à demain matin. Qui que ce soit qui connaît le chemin sera déjà passé par ici. On dirait que tu cherches juste une excuse pour abandonner. Ah ! Je peux pas abandonner si j'ai jamais essayé en premier lieu. Et je veux pas que ça devienne une habitude. Pourquoi pas ? Parce que rien n'est important. Oh, est-ce qu'ils vont nous faire du nihilisme à la con encore ? Bon, pas à la con, mais genre... Rien n'est important. C'est pas la peine d'essayer si le résultat à la fin sera le même. Essaye tant que tu veux. Tu finiras tout. Tu finiras comme poussière dans le vent. Comme chacun de nous. Je veux dire vraiment. Réfléchis-y pour une seconde. Laisse. Ok. Là... L'esprit humain, dans sa vasteté infinie, est capable de reconnaître l'inutilité dans la face de l'inévitable et la non-existence inévitable. Oui, inevitable and unavoidable. Il y a une nuance entre ces termes en anglais. Mais tu es capable de... coming to terms... de l'accepter. On peut l'ignorer, on peut s'en cacher, on peut s'en échapper, mais le fait est que nous y sommes liés. La mort est inévitable, pas seulement pour nous, mais pour tout ce qui existe et qui a toujours existé. Chaque être vivant va finir par mourir. Chaque morceau de matière va finir par disparaître dans l'entropie. Ce n'est pas important si tu as vécu une bonne vie ou si tu as laissé un héritage derrière toi. Ce n'est pas important si l'humanité meurt demain ou survit pour 1000 ans plus. Le résultat à la fin est le même. Rien du tout. L'intelligence humaine... J'en ai marre, elle dit la même chose en boucle là. Ce serait une erreur de considérer l'esprit humain comme un don, même si on est plus intelligent que les animaux. Tous les autres êtres vivants ont le don de l'ignorance. Ils ne comprennent pas ce que l'on fait. Notre intelligence n'est pas un don, c'est un défaut. C'est une surextension de l'évolution. L'intelligence, qui était un grand avantage il y a des siècles, continuait à grandir sans filtre. Et ça a dépassé un seuil depuis lequel c'est plus possible d'en bénéficier et qui devient un danger pour son hôte. Je suis désolé, Codel. Tout comme le cerf irlandais, qui, à travers des générations incomptables d'évolution, a fini par grandir des cornes si grandes et si vastes que... elle ne pouvait plus courir de ses prédateurs, ce qui l'a mené à l'extinction. L'esprit humain
est une maladaptivité émotionnelle causée par le fait d'aller trop loin dans une direction qui a été un jour bénéfique, mais qui, plus tôt ou tard, nous mènera à l'extinction. Alors non, moi je suis pas d'accord. Que l'humain soit intelligent ou pas, justement, le résultat est le même. Donc tu me racontes de la merde depuis tout à l'heure, selon ta propre logique. Au niveau individuel, c'est en train déjà d'arriver. T'es en train de faire une crise existentielle. Non, moi je vais plutôt bien là maintenant. Je suis pas sensible à ce genre de nihilisme là. Hein. La peur et la douleur de se sentir rien et de devenir rien. La souffrance de comprendre ceci. On ne peut pas l'accepter. Donc on s'engage. Elle redit les mêmes choses. C'est vraiment du fake deep tout ça. Je suis désolé de mal parler, mais je suis désolé. J'ai l'impression de traduire, de galérer pour traduire en plus, mais de dire tout le temps le même baratin. Oui, va à l'école. Arrête. Elle répète encore. Elle l'a dit 3 fois ça déjà. Tu as tort. Voilà. Hein? Oh, ça me fait penser... Attendez, ça me fait penser à un comics. Enfin, un comics édité de... Ça me fait grave penser à quelque chose. C'est peut-être même tout à fait intentionnel. Deux secondes. Ça me fait penser à ceci. Donald qui dit « Si nous n'avions pas de corps, on n'aurait pas besoin de faire la vaisselle. Nous sommes juste des témoins de notre vie et de nos esprits. Les ordinateurs peuvent observer des phénomènes mieux ou aussi bien que nous. » Michael lui répond « Est-ce que tu vas abandonner tout ce que tu connais et que tu aimes ?» Donald répond « Tout ce que l'on connaît et que l'on aime sont réductibles aux simples actions des produits chimiques dans nos cerveaux et n'ont pas de valeur intrinsèque dans cet univers matériel. » Et c'est cette frame de Mickey qui est connue, quel hypocrite, tu fais confiance aux produits chimiques dans ton cerveau qui te dit qu'ils sont des produits chimiques. Toute l'intelligence est finalement basée sur ce qu'on ne peut pas prouver. Te battras-tu ou périras-tu comme un chien? Et Donald dit, les produits chimiques dans mon cerveau me disent que je vais périr comme un chien. C'est pas ce qu'il voulait vraiment dire. Voilà, j'adore, je sais pas pourquoi, je trouve ça extrêmement drôle. Voilà. Donc c'est à ça que ça me fait penser pour l'instant, ce dialogue. Hein. Tu as tort, tu critiques ceux qui considèrent notre intelligence vaste un don, et pourtant... Tu te trompes toi-même en pensant que notre... Ah d'accord, donc en gros il fait... comment ça s'appelle le nihilisme de base à la con que t'as quand t'as genre 14 ans et que Stacy t'a averté à l'école. Et ça, c'est de l'absurdisme avec laquelle avec quoi on est en train de lui répondre. C'est de la philosophie de l'absurdisme. Voilà. Moi, je suis vraiment en train de morber, là. Je suis vraiment en train de morber. Envie de morber de ouf. Donc, voilà, il dit, notre manque de sens... Tu te trompes en pensant que notre manque de sens est une malédiction. Comment ça ne pourrait pas l'être? Rien de ce que l'on fait n'a d'importance à la fin. Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas liés au fardeau des attentes de l'univers, la peur du jugement éternel, ou l'échec d'atteindre une définition arbitraire de ce qui ferait... que nos vies soient pas gâchées. Le temps ne peut pas être gâché parce qu'il n'y a pas plus de sens à la vie que de la vivre. Voilà, je suis plus d'accord avec ça. Oui, mais de toute façon, ça change rien parce que ça veut dire quand même que ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Toute action est une fonction, une fluctuation temporaire qui amènera à la même conclusion.
Au contraire. Parce que nous n'avons pas d'utilité, nous sommes libres de définir la nôtre. Donc on est libre de placer nos propres buts dans la vie. Pour certaines personnes, ça peut être rien. Le plaisir, la création, s'améliorer ou améliorer la vie des autres. C'est parce que nous n'avons pas de... Oh putain, je sais jamais traduire greater purpose, mais... Ce temps que nous passons sur nos propres buts ne peut pas être du temps gâché. À la fin, rien n'est important et tu n'as pas de raison de ne pas faire quoi que ce soit que tu veux. Donc fais ce que tu veux. Si je comprends ce que tu dis, mais ça ne me donne pas moins peur de la fin. Même si je trouvais un sens à ma vie, je serais toujours paralysé par l'idée de revenir poussière. Et effectivement, c'est normal d'en avoir peur, mais c'est pas une raison d'abandonner l'espoir, le choix, les buts de la vie, le plaisir, et... Ne peut pas faire un... Ouais, la peur restera. Abandonner n'est pas accepter la fin, c'est seulement accepter la peur de la fin. C'est accepter le désespoir au lieu d'y faire face. C'est vrai que ça fait réfléchir, j'espère que vous réfléchissez beaucoup. Hein. J'ai une émote pour ça, hein. Si vous voulez la spammer, n'hésitez pas. Hein. Je vois. Je me sens toujours paralysé par cette panique existentielle. Je comprends que logiquement, on n'a aucune raison de vivre en apathie, mais mon côté émotionnel refuse de l'entendre. La peur persiste et je ne peux pas me motiver de chercher un but dans ma vie, même si je sais que je dois le faire. C'est vrai, l'émotion n'est pas contrôlée par la logique, mais ils sont liés. Toutes les plus grandes profondeurs du désespoir peuvent aussi jeter la raison et la logique en les transformant en dépression. Et la raison peut aussi battre l'émotion, même si leur défense semble impénétrable. En essayant je ne ferai... Alors, je veux juste vous dire, Ace Attorney, c'est l'une de mes séries préférées de jeux vidéo. Je ne streamerai jamais Ace Attorney parce que je n'ai pas envie de lire. Je ne jouerai jamais de visual novel en stream, à part si c'est des trucs comme ça. J'espère que ça va pas durer beaucoup plus longtemps, parce que c'est pas que je trouve pas ça drôle, je trouve ça complètement sympa, mais... D'un côté, j'aimerais bien continuer le jeu. On doit forcer la subversion de ces sentiments négatifs avec les sentiments... de ces sentiments négatifs émotionnels avec ces sentiments positifs logiques. C'est vrai ça, hein ? C'est vrai ça, hein ? C'est pas facile. C'est pas rapide. Et des fois, ça paraît impossible. Mais on peut le faire. Avec une quantité immense de temps, d'efforts et d'énergie, tout va s'améliorer. Tu peux changer. Tu peux guérir. Et pendant ces temps difficiles, quand tout semble perdu et quand tu vas abandonner, n'oublie jamais. Nous t'aimerons toujours. Oh, c'est très bien, c'est très bien, j'aime beaucoup. J'imagine que t'as une bonne tête sur tes épaules après tout. Eh ben, je suis impressionné. Ah. J'ai l'impression que je viens de me débarrasser du poids du monde sur mon dos. Ou que tu l'as fait pour moi. Et honnêtement, du fond de mon cœur, merci. Tu m'as donné beaucoup à réfléchir, c'est vrai que ça fait réfléchir. Et même si j'ai une route très longue et difficile devant moi, je suis optimiste. Pour la première fois, dans ce qui semble être
été, je me sens optimiste. Dis, on est beaucoup trop en retard pour l'école. Et j'ai l'impression que personne va venir nous guider. Donc, est-ce qu'on s'échapperait pas de cette prison... cette prison anti-passion, et est-ce qu'on irait pas manger quelque chose? Allez! Tu payes par contre, hein? Non, désolé, pour être honnête, je suis quand même un petit peu en colère contre toi pour à quel point t'as été mal connu. Oh non, je pense que, ouais, elle a des temps difficiles, je pense que ça lui ferait plaisir, ça lui ferait du bien de manger un truc et de parler un peu plus. Oh! Ok, elle croit que je vais sortir avec elle. Je suis désolé, je suis homosexuel! D'accord, je t'en dois une après tout. Nique l'école. Puck les cours, comme dirait Théo Babac. Oui, bon, c'est pas grave, hein, tu sais. Et d'ailleurs, stéréo, c'est une fonction qui existe dans Frankerzy, donc je conseille plus d'utiliser Frankerzy. Frankerface. Allez, on va jouer normalement. Ah, mais putain, je dois refaire tout le niveau, là. Mindflayer. Rare, mais extrêmement dangereux, le Mindflayer est une machine qui a maîtrisé l'utilisation de l'énergie de l'enfer à côté de ses propres prouesses technologiques. L'armature en plastique sert... N'a aucune utilité et est juste là pour faire joli. Un gâchis de ressources. Mais il va protéger son corps de dommages. Même si ça veut dire se détruire. Ok, donc elles sont plus souvent... Il y a plus souvent des formes femelles, mais parfois des formes mâles. Ah, je suis passé au 2-4. Ok, d'accord, ça va. J'ai rien loupé en faisant pas la fin normale. Ah, oh, ça a l'air rigolo, ça. La cour du roi cadavre. Je me demande si je loupe rien sur les côtés. Là. Il y aurait une station de métro comme dans Matrix. Hein. Ça me fait aussi penser à un passage de Doom Eternal. Pas grand chose, ça t'empêchera pas de le refaire. Ok. Et on dirait une église. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, oui, bah je verrai. Antinom. Oui, c'est vrai que les noms, c'est pas très bien, des fois. Genre, imagine, tu s'appelles Jean-Marc Provisoire. Oh. Ah. Ah bah voilà, ça c'est le gros mec qui était en fond, non? Ah, ok, c'est un boss. Oui, faut que je dash. Déjà? Ah non. Aïe. Je peux faire ça, non? Tu es fait mal en le... Aïe, 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 ok. C'est une grande main de monsieur. En effet.
Aïe! Ah, je voulais aller lui donner des coups de poing pour... Ça devient de plus en plus gros ces trucs, j'ai l'impression. Je vais essayer de rester en l'air. Aïe. Non, c'est bon, c'est mort. Ah là là, j'ai rendu malin. Je peux pas me mettre sur ces piliers là. Je crois que ça va être la strat. Ouais, ça va être la strat, ouais. Ah zut! Ouais, non. Non! Ok, je vais essayer de me mettre sur des piliers, mais plus loin. Ouais, c'est bon. Aïe. Ah non. Oh. Ça va être difficile. J'ai l'impression qu'il va être un peu frustrant ce boss. Ok. En restant juste à côté de lui, en fait, j'y arrive. Ok. Je vais essayer ça. Ah, mais non, mais ce serait beaucoup plus facile si je restais là-dessus, si je restais sur le chariot, en fait. Ah! Non! Non, il faut que je reste sur le chariot.
oh non, je l'avais tué. Oh, je l'ai tué, non. Je suis désolé, je parle pas beaucoup quand je suis concentré contre des boss comme ça. Je sais même pas si c'est un boss. J'arrive à le tuer, genre, avant la fin de cette première phase. Aïe. Aïe. Est-ce que le point rouge donne plus de santé ou pas? Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Clairement dodge and shoot. Bah écoute, je suis pas bon à dodge. Hein. Oh non. J'ai peur que ça me tue. Let's go checkpoint. Oh, y'a un truc là. Ok, faudrait que je vois si je trouve un crâne rouge pour retourner en arrière. Bah, de toute façon, c'est la seule option. Des fois, je crois que des trucs. Des fois, je vais voir des secrets en croyant que c'est une partie normale du niveau. Et des fois, je vais voir une partie normale du niveau en croyant que c'est un secret. C'est quoi le truc jaune? Ah, c'est un truc de. Ah, mais il n'y a pas. C'est pas rentré dans mon bestiaire. Non, c'est pas ce que j'aurais fait. Ah, le cadavre du roi Minos. Ah, oui, mais j'avais plus beaucoup de vie, c'est énorme. Ok, est-ce que je peux, genre, lui mettre un point dans la gueule ou... Est-ce que je peux parer son attaque? Ça va? Ça va, mec? Ok, il m'a tué en un coup. Un point sur ce point avec le bon timing. Ouais, ça a du sens. Vas-y, vas-y. Ah, zut. On peut pas le fist bump, quoi. Enfin, si, on peut, justement. Aïe. Ok, faut que je fasse attention, ça risque d'être compliqué. Par la maman. Yes! Oh, nice, nice. Oh, il a pas l'air très content. Je l'ai presque battu. Quoique. Hein. Ouais, c'est bon. C'est tout ? Il est... J'ai beaucoup moins galéré qu'avec sa main ou avec le boss de l'acte précédent.
Ouais, il était pas très. Ouais, il était juste. Ah, puis en plus, j'ai le challenge, c'est cool. Mais c'est le meilleur moyen de le battre, hein. C'était même pas si difficile que ça. Ok, je vais faire une pause. Je vais. De. À peu près 10 minutes. Je vais faire une pause d'à peu près 10 minutes. Et. Genre, boire de l'eau, me. Respirer un petit peu. Et puis, je reviens. Je vais vous jouer de la musique pendant. Pendant la pause. Et je vous dirai quelle musique j'ai jouée après la pause et quelle musique j'ai jouée dans l'intro après la pause aussi, parce que Codal a oublié de me crier dessus. Mais c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Appréciez la musique. Thank you.
Re. Alors, la musique. Je vais vous dire ce que c'était. Alors, en fait, depuis le début du stream, je vous joue un album qui s'appelle Virtual Iridescent Youth de Parallelis. C'est un petit artiste chiptune que j'ai trouvé il y a des années sur Bandcamp. Il a pas uploadé depuis très 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 longtemps et je crois qu'il y a genre 10 autres personnes qui ont ses albums dans leur bibliothèque. Je posterai un lien en fin de stream vers son Bandcamp, voilà. Donc j'ai joué depuis le début du stream les quatre premières chansons de cet album et je jouerai la dernière en outro. Donc revenons sur le jeu. Et faut que je rouvre le chat sur mon téléphone aussi. Voilà, super. Ah bah en parlant de Skin of My Teeth. Là. Attends, je suis rentré dans le mec là en fait, j'ai l'impression. Hein. Oh, il y a du texture warping comme sur de la PS1. C'est même pas du texture warping, c'est juste du warping tout court des. Est-ce un escalier dans ta bouche ou es-tu heureux de me voir? Oui, en effet, tout à fait. Oh. Il y a un Cerber ici.
Il a mangé un Cerbère, Migos. Midos. Migos. Migos, c'est un rappeur. J'ai entendu un street cleaner. Ah, ça va, il est où le street cleaner? Il y a un street cleaner là, je suis sûr. Non, c'est lui, ok. Ça veut juste être un bruit commun aux attaques inévitables, en fait. Aïe aïe aïe, il m'a explosé. Ouais, ils sont stylés. Hein. J'utilise pas beaucoup de points rouges pour l'instant parce que je sais pas, j'utilise trop la bite, le pari pour j'arrive à me le justifier. Ah, j'ai pas fait gaffe les flagelleurs. Qu'est-ce que t'appelles les flagelleurs? Parce qu'il n'y a pas de VF à ce jeu. Aïe aïe aïe. Les Mind Flayers, d'accord. Comme dans Stranger Things. J'ai pas regardé la saison 4 de Stranger Things encore. Faudra que je le fasse, mais j'avais pas aimé la saison 3. Donc je suis pas hyper motivé. Oh, il me faut du sang. Tiens toi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh, je l'ai contré quelque chose. J'ai tué la statue, le Cerbère. J'ai l'impression que cet enfer est quand même complètement artificiel. Genre les humains, ils ont créé une sorte de structure d'après-vie. En se basant sur l'enfer biblique ou un truc comme ça. Aïe aïe aïe, oh ok, d'accord. Ok. Voilà. J'aime bien la déformation du son du jeu. D'ouvrier de l'industrie antique, de quoi tu parles? Oui, oui, non, je le vois. Ok, d'accord. En fait, dans Stranger Things aussi, c'est une référence à... Les noms des monstres, ils leur donnent des noms de monstres Donjons et Dragons, en fait. T'as le Demogorgon dans la saison 1. Et le Mind Flayer dans la saison 2, je crois. J'adore ce gun. C'est les shotguns dans ce genre de jeu, c'est quand même particulièrement cool à utiliser. Pourquoi il est vénère lui? Je lui ai contré un truc ou... Aïe aïe aïe. Les flageolets, d'accord. Réveillez-vous. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah.
Ah oui, c'est vrai qu'ils se vénèrent quand tu tues l'un d'autre d'entre eux. Mort, et lui maintenant il est vénère, mais il est aussi tout seul. Je vais le taper un peu pour récupérer du sang. Voilà. Ouais, si j'en tue un, ça énerve un autre. Et ben c'est de la musique. Quand j'étais petit, la musique un peu distordue comme ça, je sais pas pourquoi, ça me mettait mais genre hyper mal à l'aise. Et ces escaliers sont faits en os. Ah yes, le petit breakbeat de breakcore là, le petit amen break. Lui il est bugué, je crois. Il y a beaucoup. Ah non, il est pas bugué, ok. Ah, oh, puis le breakbeat s'arrête. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique. J'utilise que ce gun, mais j'ai l'impression que, en prenant en compte le fait que le jeu te laisse enlever, équiper les guns que tu veux, je pense que c'est genre pas trop grave si genre si on a un préféré que tu utilises beaucoup plus que les autres, quoi. Et puis de toute façon, je joue comme je veux, hein. Ah, je le vois pas. Aïe aïe aïe. Aïe. Voilà. Là ensuite il va y avoir des malevolent faces qui vont apparaître. Il y avait un moyen rapide de les tuer, j'en suis mort. Ah si, c'est ça. Voilà. Aïe. Voilà. C'est pari là, et j'utilise pas souvent cette arme. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ce que je pense aussi. Le railgun, je sais pas, j'ai du mal. Il est très contextuel, genre... J'ai beaucoup plus tendance à vouloir l'utiliser contre des boss, parce que genre il fait, bah en fait
il a un gros output de dégâts. Mais ça sert rarement d'avoir un output de dégâts de la forme dont il est contre des ennemis réguliers, si tu vois ce que je veux dire. Des ennemis habituels. It's the worm. Je sais pas pourquoi j'utilise ça. Ah, il me faut de la vie. Ouais, il explose son petit. Grosse explosion en fait. Hein. Oh, un autre ennemi bugué. C'est. Ouais, moi j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Et c'est. Ouais. Innovant comme danse, hein, moi je trouve. Ouais, probablement. Et... Énorme hit scan, ok. In the flesh. C'est vraiment très gloubi tout ça. Hein. Gloubi boulga. On va finir par faire quelque chose entre ses yeux et ça va pas plaire à Stereo. Machine, turn back now. D'accord. The layers of this palace are not for your kind. Turn back. Or you will be crossing the will of God. Bah écoute, je peux pas, mec, hein. Fallait en parler au game design. J'ai essayé, hein. Je crois reconnaître la voix aussi. C'est pas Gianni? Gianni Matragrano? Si, c'est lui, bah oui, ok. Your choice is made. As the righteous hand of the Father, I shall rend you apart, okay. And you will become inanimate once more. Ça marche, si tu veux, hein. Oui, oui, oui. Ça, c'est stylé, ça. Oh, c'est Gabriel. Pourquoi t'as abandonné mon pote là de l'autre niveau là? Hein? C'était un bon croyant et tout, il a dit. Aïe, ouille, ouille, ouille. Je crois qu'il y a deux barres de vie. Mais comment il me... Aïe aïe aïe.
Oh, ça m'a respawn, tiens. Je suis mort immédiatement, donc c'était bien la peine de me respawn. Une référence à Devil May Cry. Pas l'arme que je veux. Aïe aïe aïe. Allez, allez, non, ouais, yes. Ah non, laisse-moi, yes. C'est bon, je regarde de la vie. Aïe. Non, là, il va envoyer un truc explosif. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi je suis mort? Ah! Je sais pas, il a dit genre You would make the devil cry ou un truc comme ça. J'ai du mal à me retrouver. Je peux juste utiliser la molette, je crois. Ah ouais? C'est gentil ça. Hein. Oui. Est-ce que c'est le juge de l'enfer dans la Bible, Gabriel? Ouille. Ouille, ouille, ouille. En fait, le truc, il suffit de 3 attaques. Ah, mais il y a des sous-titres, attends. Fallait me le dire plus tôt, ça. Voilà, comme ça on a une meilleure idée de ce qu'il y a. Non, c'est pas la bonne arme. Ok, je vais essayer de voir le timing de ces attaques pour le culteur. J'essaie juste de le culteur. Je suis pas sûr qu'on puisse le counter aussi facilement. Ça. Ah mais je veux le shotgun. J'ai jamais trouvé ça pratique de switch d'armes avec les touches de chiffres au-dessus des lettres sur le clavier. En fait. Ah la vache, faut que je réussisse à ma prochaine vie pour... Oh les dégâts que ça fait!
this machine foolishness. Ok, j'ai 100 de vie là, ok. Donc je vais utiliser beaucoup plus le shotgun là. Ok, il me hit encore une fois là, et je suis mort. Ah, j'ai 15 HP. Ah là là. Ah, c'est intéressant ça. Je vais avoir du mal. Messager de Dieu, genre ce truc. Ok. Ouais. J'ai l'impression qu'avec tous les boss de jeu, il y a sûrement une technique pour genre leur faire vraiment les défoncer. Mais ça a l'air d'être des trucs genre super spécifiques. Oh là là. C'est bon, j'ai le truc. Non, je pars charger ça. Je vais lui enlever sa première barre. Il est énervé, il attaque plus vite. Oh là là, ça va être compliqué. Hein. Plus ça va, mieux j'ai l'impression d'y arriver après. C'est vraiment une ref à la con juste au titre DMC ou quoi. Enfin Devil May Cry en général, pas le 2. Mais... Les DMC 2 is best. Je pensais à ça en fait. Ouais, alors la deuxième phase, ça va être... compliqué. Oh là, 5 HP. Il te rend que 10 HP en plus. Je me demande si j'utilise ça à la place. Merci Docteur Q. Un petit peu d'eau. Toi aussi, n'hésitez pas à boire un petit peu d'eau.
Hydratez-vous, c'est important de rester hydraté. C'est le premier à utiliser des les points de chaîne. Il s'appelle Orbe Violette d'ailleurs. Aïe. Ouais. Là, j'ai l'impression de pouvoir l'enchaîner. Ah, il a dodge au dernier moment. Allez, 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 j'y crois à mort. Je peux le faire. J'ai pas pu le faire. Eh, il avait plus que la moitié de sa deuxième. Ah bah, c'est malin, ça, Codel. Pas une bonne idée de rester trop près de lui longtemps. Comme ça. Je vais essayer dans son attaque quand il tombe comme ça là d'un coup. De le parier si c'est à ce moment-là que je peux le parier et lui faire des dégâts. Le chat est encore restreint aux abonnés. Je suis désolé. C'était pas intentionnel. Ok, le dashboard de Twitch est un peu buggé. Désolé tous ceux qui sont là et qui n'ont pas pu parler. J'ai eu quelque chose tout à l'heure qui a fallu que je resseigne le chat à ce mode-là. Désolé. Donc bienvenue tous ceux qui sont arrivés depuis tout à l'heure et qui ont follow si vous vouliez parler dans le chat, vous pouvez. Ah, je m'en sors bien là. Allez hop, gris, bulle de skill grillé là. Ah, j'ai loupé ce tir là. Il va lancer ce truc. Donc merci pour le follow, Dr. T. J'ai expliqué au début du stream, je dis bonjour que aux gens qui sont actifs dans le chat, au cas où il y a des gens qui ont des soucis d'anxiété. Bonjour les non-abos, on vous aime quand même, mais n'hésitez pas à utiliser votre prime si vous voulez être, si vous voulez que je sois plus gentil avec vous. Non, c'est un mensonge, je serai gentil avec vous. Peu importe, mais je perds des dégâts en fait. Foolishness.
Ah non, j'avais presque fini sa première. Oh non! Oh, c'est très compliqué ce... Oh, je fais n'importe quoi. T'as galéré autant Sky sur lui? Il me fonce dessus. La phase 2 est en enfer, ok. Mais direct il commence avec ça? Oh là là, j'ai pas fait exprès de faire ça. Mais non. Oh, ça me saoule. J'ai jamais le temps de faire ce que je veux faire. Et je le vis trop mal avec le point aussi, ça me saoule. À ce moment-là, je pense qu'il faut que j'en profite pour... lui donner plein de coups de poing, je pense, entre les deux phases pour récupérer de la vie. Il me tue en trois coups quand même. Ouais. J'ai pas le temps de me concentrer sur quoi que ce soit.
Non, ça fait rien en cas de punch. Descends comme ça. Mais ça sert à rien de me faire respawner avec un de vie, genre tue-moi plutôt. J'ai le réflexe de ressortir le railgun quand c'est chargé. Et que je le loupe pas aussi. Ok. Non, c'est mort. J'étais pas loin. Je comprends pas ce que ça fait les trucs verts qui clignotent là, honnêtement ça met 10 ans à se déclencher, ça met trop longtemps pour que ce soit utile en fait. Ah mais laisse-moi lui défendre. Oh quoique, je reviens à 100 HP comme ça là. Et je meurs une aide. Concentré. Non ! Ouais, mais je comprends pas ce que c'est les trucs. Quoi. Ok, je me concentre. Non ! Ok. J'arrive à passer la première phase plus ou moins souvent maintenant.
Oh mais laisse-moi le... Oh, j'en ai marre de pas réussir à... Ok, je vais passer la première phase. J'ai rien dit. Non, comment il m'a eu là? Comment il m'a eu? J'ai dashé. J'ai pas amélioré le Railgun, t'as raison. Alors que j'ai largement de quoi, hein. Merci Sky. J'aurais dû penser à... Je pensais que c'est un truc qu'on débloquait pour une raison ou pour une autre, j'avais oublié qu'on achetait ces améliorations. Il faut que je fasse les bons shots aussi. Pas comme ça. Oh, je suis retourné à 100 de vie là. Ok. Fais attention à ce qu'il fait. Je me concentre. Non! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh non! Je vais finir par y arriver, Ah, puis en plus, il saigne complètement, ça me soigne quand il est près de moi. Allez, yes! Allez, allez, allez! Non! Yes! Woo! What? How can this be? Bested by this thing? You insignificant fuck! This is not over! Vraiment bon doublage, vraiment bon doublage. Eh bien, que ta mère soit niquée. Voilà. Let's go!
Ah ouais, ok. C'était le challenge, ça? C'est genre... Ah mais non, bah non, parce que en fait, je suis tombé. Et genre, bah, il est tombé avec moi, en fait. Ok. Écoutez, je suis... honteux. Humiliant. Tu n'es pas le bienvenu au pied du concile, du conseil. Leurs yeux, avec un résentement amer, regardent les blessures de Gabriel sur son corps et son esprit, visibles pour tous, aux yeux de tous. Est-ce qu'il a abandonné le chemin de son créateur? Il n'est pas digne de la lumière sainte, lumière de Dieu et d'indomitable, je ne sais pas ce que ça veut dire. Leurs mots résonnent dans les membres de Gabriel. La lumière sainte en lui. Une tempête inarrêtable de furie divine. Insurmontable pour de pauvres objets. Il le savait. Cher conseil, ma dévotion à notre créateur est absolue. Je me suis jamais éloigné de la volonté du Père, mais une machine. Tu oses dire que la puissance du Père peut être secouée par juste des objets? Impossible. Hérésie. Ta traîtrise ne sera pas tolérée. Comme punition, la lumière du Père te sera retiré de ton corps. Tu as 24 heures avant que ces dernières flamèches meurent. Et toi avec. Prouve ta loyauté. Défais tes erreurs. Alors que la lumière était enlevée de son être, les cris de Gabriel furent étouffés dans le sifflement de la prière à Dieu. De la prière à Dieu. Une angoisse bouillante que les feux de l'enfer ne rivalisent pas. C'est difficile de traduire en direct hein, comme ça. Il y a des gens qui sont payés à faire ça, vous savez. Hé, hey, salut Ethan! Les machines cherchent le sang. Ils leur donneront. Et avec autant de colère, même le métal saignera. To be continued dans l'acte 2. Bah écoutez, c'était une bonne session. C'était un petit peu épuisant, mais je suis content d'avoir battu ce boss. Je suis super content que vous soyez tous venus regarder ce stream. Mon premier stream en étant affilié, c'est super cool. Ouais, plus de 60 essais, ouais. Mais bon, après, il y en a beaucoup, je suis mort instant, je savais pas quoi faire, etc. C'était très cool malgré quelques problèmes, mais je saurai gérer pour la prochaine fois. Je vais juste regarder 2-3 trucs avant de vous dire au revoir et de vous jouer la dernière chanson de l'album Virtual Iridescent Youth. Ok, alors 2 secondes. Je vais voir si j'ai des amis qui streament. Ok, je vais raid un ami à moi qui s'appelle Kirbendo. Il fait des vidéos sur des jeux Nintendo. Je crois que là, il apprend le speedrun de Mario Odyssey. Donc Kirbendo, c'est un mec super cool. N'hésitez pas à lui dire bonjour, ça lui fera plaisir. Et ça me fera plaisir à moi aussi. C'est vraiment cool de participer au raid. Ça aide vraiment en général. Hein. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des retours à faire sur le stream, je suis dispo sur Telegram, Mastodon, Twitter. Et puis voilà, je vais lancer le raid et switch sur la dernière scène et vous jouer la dernière chanson pour ceux qui restent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tout le monde, même surtout ceux qui ont acheté. Enfin non, merci autant. Enfin, merci beaucoup à ceux qui ont acheté des subs, ça fait super plaisir. Hop, je lance bientôt le raid. 2 secondes. Allez, à plus! Je vous envoie chez Kirb. Si ça veut bien. Non, les secondes prennent beaucoup de temps, excusez-moi. Je crois que ça a bugué un petit peu. Lancer un raid maintenant. Allez! Voilà.